Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'annonce de la sortie de Atelier Marie Remake. Et oui, 25 ans après la sortie du premier jeu sur PlayStation, PlayStation 2, Dreamcast et Saturn, voilà qu'il fait son retour pour fêter les 25 ans de la licence. Donc Atelier Marie Remake arrivera sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5 et sur PC via Steam dès le 13 juillet de cette année. Je vous laisse découvrir tout ça en images, c'est tellement choupi. Allez, on se retrouve tout de suite. マリーのアトリエリメイクザールブルグの錬金術師。ここはザールブルグ。マリーはこの町の王立魔術学校の創立以来最低の成績を取ってしまう問題児。そんな彼女に卒業試験として一軒の工房が与えられました。果たしてマリーは試験に合格し一人前の錬金術師になれるのでしょうか。ザールブルグの周りには自然がいっぱい。四季折々の綺麗な景色が見られます。錬金術の材料を拾ったり捕まえたり、時には珍しいものが見つかることも。手に入れたアイテムを調合するうちに作れるものはどんどん増えていきます。町の人たちの依頼を受け、みんなと絆を深めていくマリー。貴様と話すようなことは何もない。少なくともあなたは嫌いじゃないからいい。工房を豪華にしたり、妖精さんを雇って仕事をしてもらったりと順調な様子ですが、さすがお嬢さんは人を見る目があるようだな。街の外には危険もいっぱい。仲間を雇って出かけましょう。仲間と一緒なら遠くの場所でも怖くない。伝説の魔物に出会うことだってあるかもしれません。5年の期限で試験に挑戦するのも、制限のない無期限モードでのんびりするのも、遊び方はあなた次第。人生かな。知ってるの、私の病気が絶対治らないってこと。私のこの剣にかけて。自由気ままなスローライフ RPG。 世界を救うのはもうやめた。マリーのアトリエ。Alors sincèrement, graphiquement, moi je craque complètement. Vous voyez là en arrière-plan l'édition Deluxe, donc il y aura des costumes. Il y aurait pas mal de petites choses, ça on découvrira plus tard hein, au niveau de la sortie du jeu, mais je vous mets quand même la petite image. Alors par contre, ça m'a un petit peu refroidi, je vous l'avoue quand même, parce que le jeu est bien annoncé chez nous, mais il ne sera, comme d'habitude, pas traduit en français, donc on aura le droit uniquement à des sous-titres anglais. Et de plus, il n'y aura pas de version boîte pour les États-Unis. Et pour l'Europe, au Japon, ils auront le droit à leur petite version boîte, mais pas chez nous, et ça c'est pas très gentil. Bon, ça m'empêchera pas sincèrement de sauter dessus à la sortie, parce que c'est une licence que j'adore, et là, c'est tellement mignon, je suis obligée de craquer et revenir aux sources de la licence, pour moi c'est super important. Donc je vous tiendrai au courant dès qu'on aura du nouveau. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser. N'oubliez pas les petits pouces bleus qui font plaisir, le petit abonnement, et moi je vous dis donc à très bientôt. Et amusez-vous bien.